Bonjour à tous, merci de votre présence. Je me présente, donc je suis Dr Fodil Hadid, responsable du département marketing digital et communication de l'agence EasyCom, qui organise le salon Officine Expo. Donc, dans le cadre de la plateforme Le Pharmacien Manager, qui se veut être un univers digital, va centraliser l'information et la formation au profit du pharmacien d'officine, et pour lequel je vous ferai une simulation à la fin de la conférence. Donc, j'ai le plaisir d'avoir parmi nos chers conférenciers Dr Esmina Hamrani, qui est pharmacienne à Tanger, spécialiste en nutrition, phytothérapie et cosmétologie, et qui a une présence qualitative sur les réseaux sociaux et qui est invitée régulièrement sur les médias télévisés, radio, lors d'émissions santé. Et sans trop tarder, je lui laisse la main pour nous faire sa belle présentation. Merci. Bonsoir à tous. Alors, merci beaucoup d'être présents. Aujourd'hui, en tant que pharmacienne, j'ai envie de partager avec vous mon expérience au niveau des réseaux sociaux, tout ce que j'ai appris, parce qu'il y a quand même un peu plus d'un an, j'étais incapable de faire quelque chose de plus sur Instagram que de poster une photo. Et j'ai voulu apprendre et pouvoir être à la hauteur pour pouvoir changer l'image du pharmacien. Donc aujourd'hui, je vous donne le résumé de tout ce que j'ai appris pendant cette année au niveau des réseaux sociaux. Les erreurs à ne pas faire, j'en ai fait. Un résumé des choses importantes à retenir et pour que vous n'ayez pas à perdre du temps comme j'ai fait moi, parce que j'ai eu beaucoup d'heures à apprendre des choses, quelques-unes m'ont servi, d'autres à rien du tout, donc je vous donne le résumé des trucs importants. Et je pense que notre présence au niveau des réseaux sociaux n'est plus un choix, ça commence à être un devoir vu la nature de notre métier. Alors, le résumé de la présentation, on va parler pourquoi c'est important, pourquoi je pense que c'est important qu'on soit présent. Deuxièmement, c'est quoi les paramètres les plus importants pour avoir un bon retour au niveau des réseaux sociaux. L'atelier pratique où on va faire une petite vidéo ensemble, voir comment il faut la faire. Et quelques astuces Instagram qui ne sont pas toujours présentées pour tout le monde, que j'ai appris soit parce que j'ai fait plusieurs erreurs et j'ai fini par apprendre la leçon, soit parce que je l'ai vu au cours des cours que j'ai fait pour essayer d'avoir une meilleure expérience. Et bien évidemment, mon petite expérience personnelle avec les réseaux sociaux. Donc, en tant que pharmacien, pourquoi choisir d'être présent au niveau des réseaux sociaux? La première des choses, c'est parce que c'est la fenêtre qui va nous permettre d'être visible pour le monde. Malheureusement, actuellement, le pharmacien, c'est celui qui a juste envie d'arnaquer, qui a juste envie de vendre le produit le plus cher. Et il est moul pisri, li makirdash ga yuqam al client. Donc cette idée, il faut absolument qu'on la change et on ne peut la changer que nous. La deuxième des choses, vu le métier qu'on a, la principale chose à laquelle on doit penser, c'est le conseil. Donc ça nous permet d'exercer la valeur principale du pharmacien, qui est le conseil. Deuxièmement, ça va nous pousser et nous obliger à travailler d'une façon organisée. Pourquoi ? Parce que la première des choses, pour pouvoir percer et avoir une continuité au niveau des réseaux sociaux, c'est précisément d'être constant. Ça ne sert à rien d'avoir un super contenu que je vais poster une fois par mois. Et je vous parle de ma propre expérience, parce que quand je pouvais publier au moins un reel par jour, moi je ne suis jamais le genre, j'ai jamais été le genre, je suis contre l'achat de followers, je ne sponsorise pas mes publications, et pourtant ça montait comme une flèche. Depuis quelques mois, pour des raisons précisément, j'avais beaucoup de formations, beaucoup de conférences, je ne publie plus autant, mon compte il est stagné. Donc je vous dis par expérience que c'est très très important d'avoir la continuité. Dernièrement, il y a une nouveauté qui est magnifique, c'est que Instagram nous permet d'avoir l'application créateur. Ça veut dire qu'avant on était obligé de faire les vidéos et de les poster le jour même. Maintenant, on peut programmer ça de façon que les publications se fassent de façon automatique. Alors la grande question... En tant que pharmacien, est-ce qu'on a le droit, c'est-à-dire que oui, c'est bien, on devrait le faire et on a le droit de le faire, ou plutôt le devoir d'être présent et de faire passer la bonne communication et le bon message? La première des choses, c'est que vu la nature de notre métier, être présent sur les réseaux sociaux, je pense que c'est devenu un devoir. Car nous avons la responsabilité de faire passer la bonne information et de démentir les conseils santé partagés tous les jours par des charlatans. Je reçois tous les jours des vidéos, soit TikTok, soit Instagram, ou bien sur le pharmacien Amakifem Wallo, et deuxièmement, où on a des gens qui donnent des conseils à tort et à travers de médicaments. Et ce qui est rigolo dans l'histoire, c'est que si on le fait nous en tant que pharmacien et on connaît les principes actifs, on est attaqué. Par contre, si elle le fait une femme au foyer, il n'y a aucun problème. Et là, j'ai une vidéo que je partage avec vous.
Le sang. Non. الماء عليش وتهوى الإيديفيكاس هو هذا بس متشوطو بليس راحيت أنا دابا دايره الكاميرا هكا سيلفي داكشي باش ما تيبان مقلوب الكتبه سميتو طوبليكسيل هذا فريمون زوين الثمن ديالو 16 درهم علاش ما كيبغيوش يعطيو لكم في لي فارماسي اون جينيرال لان كنعرفو حنايا ان الاورغانيزاسيون راه كتحل على وتيره الربح دونك تيحاولوا انهم على حساب لوردونس اللي عطاكم طبيب او على حساب فاش كتجيو عندهم كتبغيو يعطيو شي سيرو كيعطيوك الغالي لي ابارتير دو 50 درهم لو 60 درهم المهم هذا تقدروا ديروا كابتشور ديال ليكرون نخلي لكم لا فوتو جوست في لا ستوري سويفونت وراه داير الثمن ديالو 16 درهم وراه الي ايفيكاس انا خديتو ليا راه تياخذوا لي زونفون لي زادولت المهم فوالا alors voilà c'est une vidéo je pensais que c'est une vidéo vraiment à partager parce que bon, on est des arnaqueurs, on ne pense qu'à l'argent, etc., etc. Ça, c'est tout simplement une partie du prospectus de Toplexil. Tout ce qu'on ne doit pas faire au niveau de Toplexil, parce qu'on ne peut pas le donner à quelqu'un qui a une toux qui est grasse, etc., etc., etc. Pour dire que oui, bien sûr, c'est un bon médicament, bien sûr qu'on le conseille, mais on sait quand est-ce qu'on doit le conseiller. Une femme qui est en train de dire à je ne sais pas combien de followers qu'elle a, qu'il faut le donner, que ça soit pour adulte ou pas, là, ça craint. Et là, c'est notre Vidal marocain. Donc là, on a une aide-pharmacie qui a sa page où on peut trouver, si on a des champignons, qu'est-ce qu'on doit prendre avec le prix. Si on a un enfant, ben, ce qu'on doit lui donner, etc., etc., etc. Donc on a un Vidal à la marocaine avec l'avantage d'avoir le prix, tous les conseils, les gens qui sont là, voilà ce que vous devez prendre. En arabe, avec le prix centime près. Exactement. Donc là, je me dis, c'est grave, et c'est pour ça que je dis que c'est un devoir, parce que moi, j'essaye de faire, bien, mais je suis une, on doit être plusieurs à essayer d'être présent, à essayer de montrer, par exemple, pourquoi on ne va pas donner un sirop pour la toux sèche, parce qu'on ne peut pas le donner à tout le monde. Parce qu'un enfant d'un an, je ne peux pas lui donner un Toplexil. Donc, je n'ai rien contre la marque, je n'ai rien contre le médicament, mais il a des indications, c'est pour ça qu'il a une notice. Alors, supposons qu'en sortant d'ici, c'est bon, vous êtes convaincu et vous allez me dire, j'espère bien. D'ailleurs, c'est le challenge que j'ai, c'est essayer de recruter le plus de pharmaciens au niveau des réseaux sociaux. Donc, comme je suis sûre que vous allez sortir hyper convaincu d'ici, le pharmacien, la première question que vous allez vous poser demain, c'est pour ça que je préfère vous donner la réponse aujourd'hui, c'est par où je vais commencer si vraiment je veux le faire. Alors, la première des choses, c'est pourquoi je veux le faire, parce que ça change énormément. Si j'ai envie de le faire juste pour de bénévolat, c'est-à-dire donner l'information pour que les gens puissent avoir l'information correcte, et là, ils vont se dire, ben là, c'est une nana qui fait Dar Suranda ou Tarzrbate, donc elle ne va pas me donner du bon conseil, et là, c'est une pharmacienne, donc je choisis la pharmacienne. Ou bien, c'est parce que j'ai envie d'augmenter mon chiffre en para, chose qui est aussi très légitime. Si je veux avoir une visibilité avec une intention de collaboration avec des labos, ça reste aussi légitime et défendable, ou bien tout simplement parce qu'on a marre de voir l'image du pharmacien qui traîne au niveau des réseaux sociaux et on a envie de l'améliorer. La première des choses, c'est de commencer par créer un compte professionnel. Pourquoi je dis un compte professionnel ? Parce qu'il faut faire la différence sur est-ce qu'on a envie de partager notre vie privée ou on a envie de partager que des conseils. Je conseille personnellement, c'est ce que je fais, j'ai un compte qui est personnel et un qui est professionnel, de garder le professionnel que pour le professionnel, de l'afficher sur le profil et de choisir tout ce qui est mode business ou créateur au niveau des paramètres Instagram. Ce que je dois mettre sur mon profil au moment de le créer, la première des choses, c'est qui je suis. Donc mon nom est bien sûr docteur, parce que c'est ce qui fait toute la différence avec la concurrence. La deuxième des choses, choisir une photo correcte. Il faut savoir que sur Instagram, la photo de profil est trop petite. Si je choisis une photo où il y a du monde avec moi, où il y a un arrière qui est coloré, on ne va rien voir. Donc essayez de choisir une photo qui est claire. Deuxièmement, le descriptif, qui est
très très important. Pourquoi ? Parce qu'on parle à un robot. On n'a pas une personne derrière notre profil. On a un robot. Du coup, on a besoin que quand la personne rentre et quand Instagram a envie de suggérer notre profil à quelqu'un, que ça soit clair. Est-ce qu'on va parler de nutrition ? On va parler de cosmétiques ? On va parler de la pharmacie en général ? Donc avoir un descriptif court et correct. Et bien évidemment, choisir créateur au business au niveau des paramètres d'Instagram. Ça, c'est l'exemple de mon profil. Donc voilà, nom, prénom, pharmacie pour mettre le secteur, les diplômes que j'ai et ce que je fais généralement. Donc c'est clair, si quelqu'un a envie de savoir quelque chose sur nutrition ou diététique, il sait qu'il va trouver sur mon profil, phytothérapie et les trucs de pharmacie en général. C'est très important d'utiliser les mots clés. Pourquoi ? Parce que comme je dis, c'est un robot. Donc ces mots clés, quand quelqu'un va entrer, il va taper nutrition, régime, maigrir, Instagram va suggérer mon profil. Donc c'est pour ça que c'est très très important de choisir les mots-clés qu'on va utiliser pendant l'usage général d'Instagram. Et on parlera tout à l'heure d'autres parties d'Instagram importantes où ça sera très très important de choisir les mots-clés qu'on va utiliser. Être spécialisé dans un sujet. Je m'explique, c'est pas que parce que je vais parler de crème que je vais parler que de cosmétiques. Mais si je vais parler de pharmacie, parler que de pharmacie. Ne pas parler de pharmacie et partager le fait que, par exemple, je cuisine très bien et donc les week-ends, je vais partager telle chose. Il faut garder le profil strictement pour ce qu'on a choisi de partager. Si je vais partager un truc de pharmacie, ça sera que pour pharmacie. Si par la suite vous décidez d'avoir un compte YouTube ou autre, une page web, n'oubliez pas de la nommer, de la citer et de mettre le lien. Moi j'ai mis le lien direct de ma chaîne YouTube pour accéder directement. Et là c'est ok, tout ça c'est bon, mais je fais comment pour choisir le contenu, par où je commence? La première des choses, c'est qu'il faut être clair, bref, et avoir une capsule qui va apporter de la valeur. Il faut savoir qu'il y a énormément de concurrence, qu'il y a trop de personnes qui partagent des choses. Donc ce qui est important, c'est que la personne, une fois qu'elle sort de votre profil, qu'elle se dise « aujourd'hui, j'ai appris quelque chose ». Même si vous n'allez pas passer un message pour apprendre quelque chose de spécifique, au moins que votre profil sert d'inspiration à quelqu'un d'autre. Mais il doit apporter quelque chose de positif. La deuxième des choses, essayez d'être original, avoir une petite touche, que ça soit au moment de commencer la présentation. Sachant qu'au moment où je commence une présentation d'une capsule, salut, ça va, tout ça, on ne le met pas. Pourquoi ? Parce qu'on a 3 secondes pour accrocher la personne qui est devant nous. Soit elle va finir notre vidéo ou bien notre publication, soit elle va scroller. Donc en 3 secondes, je dois avoir mon accroche. C'est très important de travailler l'accroche. Deuxièmement, ce qu'on doit attendre de ce travail-là, bien évidemment de la fidélité, c'est-à-dire que les gens s'abonnent à notre profil et qu'ils restent, de la notoriété dans le sens où les personnes, quand ils vont être dans un mariage, dans un événement, ils vont dire « non, mais j'ai entendu tel docteur, il a dit et il a dit, est-ce que ce charlatan a dit sur TikTok, c'est du n'importe quoi ?» Et deuxièmement, la crédibilité. La crédibilité, et là je veux m'arrêter parce que c'est un point très très important. Moi je viens de commencer Instagram, comme je vous ai dit, ça fait un peu moins d'un an ou un an, mais ça fait quand même 7 ans que je fais la télé et la radio. C'est quelque chose qui m'a aidée parce que quand même, ce n'était pas un nom que personne ne connaissait, mais au niveau d'Instagram, je n'existais pas. Ce qui m'a aidée pour aller de l'avant, c'est le fait que si je ne suis pas convaincue de quelque chose, je ne le dis pas. Vous allez avoir des labos qui vont s'approcher de vous pour essayer de faire des collaborations. Si vous n'êtes pas convaincue du produit, parce que c'est votre visage. Et c'est, Instagram, c'est un verre de cristal. Avec le moindre truc que vous allez faire mal, c'est pour toujours. Donc essayez de tout simplement être vous-même, la première des choses, que ça soit dans votre façon de parler, de communiquer. La deuxième des choses, faire les choses comme vous aimeriez que les autres les fassent pour vous. Ne proposez jamais un produit que vous ne seriez pas capable ou prêt à utiliser vous ou à le donner à quelqu'un de votre famille. Parce que c'est le genre de commentaire que les gens vont dire par la suite. Elle donne de bons conseils ou bien elle veut tout simplement vendre. Et ça, c'est une différence très, très grande qui va jouer énormément sur votre réputation. Et là, qu'est-ce que je dois investir ? Ben, tout simplement, un trépied comme celui-là. Vous allez voir tout à l'heure une vidéo de comment je prépare les miens. J'ai investi sur un trépied qui était cher au début parce que je ne savais pas. Ça ne vaut pas la peine. Vous avez besoin d'un truc aussi simple que ça et d'un téléphone qui a une caméra relativement correcte pour avoir une image correcte, pas floue. Et une sono à dire. Avec le temps, vous pouvez prendre un micro si vous voulez, mais pour le début, en déposant ça sur votre bureau, c'est largement suffisant.
Ça, c'est pour avoir une idée de comment j'enregistre mes vidéos. Donc ça, c'est un trépied qui a la partie de lumière, partie micro, et je me mets dans mon bureau. Je vous avoue qu'au début, j'avais du mal à le faire. Après 6 ans de télé, le fait de me mettre devant mon téléphone et de parler me coûtait énormément. Je me sentais ridicule parce que j'avais l'habitude d'avoir des interviews. On me posait les questions, je demandais. Mais là, m'arrêter devant le téléphone et parler, je vois, je commence à critiquer. Je suis sachant que je suis seule dans mon bureau. Et je me disais, mais attends, je suis en direct à la télé, je suis en direct à la radio, tu es en direct. Et je n'ai pas de problème. Et toute seule, j'étais gênée. Donc, je vous assure que dès que vous faites et vous lancez la première capsule, c'est fini. C'est la première qui est très dérangeante. Vous vous sentez bizarre, après, c'est fait. Donc, l'astuce, c'est de mettre votre téléphone et imaginez que vous êtes en train de parler à un client qui est chez vous à la pharmacie. Si vous avez du mal à regarder directement au téléphone, ne le regardez pas. Et la deuxième chose, d'ailleurs, je vais vous donner aussi des possibilités pour les personnes qui sont vraiment contre les vidéos. Comment vous pouvez travailler sur Instagram sans vous filmer? Alors, qu'en pharmacien, quel sujet je peux traiter? Bien évidemment, l'automédication, j'étais obligée de l'écrire en premier parce que c'est un sujet que je pense en pas en parler tous les jours et ça ne sera jamais assez clair pour plusieurs personnes. Donc, c'est intéressant de parler des vidéos en donnant différents exemples. Bien sûr, en parlant toujours des principes actifs. L'utilisation correcte de certaines formes pharmaceutiques. D'ailleurs, la première vidéo que j'avais faite, c'était précisément comment mettre un suppositoire, sachant que tout le monde le met par la pointe et qu'il ne faut jamais commencer par la pointe. Et c'était une vidéo qui avait percé et j'avais pas mal de personnes et des copines qui m'écrivaient en me disant « J'ai passé toute ma vie à le faire mal à mes enfants. » C'est vrai, vous savez pourquoi? Parce que nous, les pharmaciens, on ne le dit pas au comptoir. Moi, je le dis, mais pas tout le monde le dit. On part du principe que c'est évident. Les aides-pharmaciens, si nous, on ne dit pas aux aides-pharmaciens « Voilà comment il faut le mettre », ils ne vont pas le savoir parce que chez eux, leur mère, ben, le mettait comme ça. C'est de petits détails, mais qui sont très, très importants et qui changent le tout. Donc, parfois, par rapport aux sirops, le fait que le sirop il a une date et que je ne peux pas l'utiliser, un truc aussi simple, où est-ce que je vais garder les médicaments? Parce que les médicaments, soit ils sont à la cuisine, soit ils sont à la salle de bain. Et c'est précisément là où il ne faut pas les mettre, parce qu'il y a de l'humidité, il y a de la chaleur. Donc, c'est des choses que peut-être ils sont très normales pour nous, mais pas pour les gens qui ne sont pas du domaine. Donc, ces petits trucs peuvent vraiment faire la différence. Et je veux m'arrêter aussi sur un point qui est les pharmaciens qui sont à l'officine depuis des années et qui partent du principe, une phrase que je n'aime pas du tout, ça, ce n'est pas pour moi. Si ça, c'est fait pour des personnes qui n'ont pas le brevet, je n'accepte pas qu'un docteur en pharmacie me dise que ça, ce n'est pas fait pour lui. Il faut absolument, et vous allez voir que c'est facile, quand pas possible, je suis à votre disposition, vous m'écrivez, je n'ai aucun problème à vous donner un coup de main, mais vraiment, c'est un travail d'équipe qu'on doit faire. Et ça ne va pas se faire tout seul, et ça ne va pas se faire avec 5 ou 10 pharmaciens. Et autre chose, c'est que même moi, avec, ben, je n'ai pas beaucoup, j'ai que 10 ans d'expérience, mais j'ai besoin des pharmaciens qui ont 20 ans et 30 ans. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas actif sur les réseaux sociaux que vous n'avez rien apporté. Vous avez beaucoup plus à apporter que moi-même, parce que vous avez une expérience, vous avez plus de contact avec les gens, et on a besoin de vous pour apprendre. Alors, par rapport à la parapharmacie, bien évidemment, on peut parler des compléments alimentaires, des produits dermocosmétiques et aussi, un truc très simple, c'est les symboles qu'on trouve sur les produits parents. La plupart des personnes ne les connaissent pas. Et il y a des personnes qui ont l'impression que quand un produit n'a pas de date de péremption, c'est qu'il est mauvais. Ils ne savent pas que c'est après ouverture. Donc, ce genre de choses que parfois, juste par maladresse ou juste par oubli, on ne fait pas au comptoir, on peut se rattraper au niveau des réseaux sociaux. Alors, ce qu'il ne faut surtout jamais faire au niveau des réseaux sociaux. Parler des médicaments. Vous allez avoir des gens qui vont vous poser des questions comme commentaire en bas de vos publications en vous posant les questions, est-ce que ce produit, ce médicament, il est bon ou mauvais? Ne dites rien, qu'il soit bon ou mauvais. Parlez des compléments alimentaires, faites-vous plaisir sur l'apparat, mais les médicaments, ne les touchez pas. Vous pouvez parler de médicaments quand vous allez parler ou expliquer un complément alimentaire. Moi, j'ai parlé d'un médicament, j'ai parlé du néoxidil et j'avais fait une vidéo précisément parce que ça avait commencé à déconner partout comme spray anti-chute. Et là, je voulais absolument insister sur le fait que c'était un médicament. Mais en général, même quand vous voulez donner une explication, utilisez le principe actif toujours, et non pas le nom commercial. Autre chose, c'est de parler des sujets qu'on ne maîtrise pas. Ça, c'est dangereux. Pourquoi? Parce que généralement, une fois que vous allez faire une publication, on va vous poser des questions.
allez chercher sur Google pour répondre. Soyez sûr que la personne qui vous a posé la question a fait la même chose. Donc, elle va trouver que vous avez fait du copier-coller. Donc, parlez d'un sujet que vous maîtrisez pour pouvoir répondre avec vos propres phrases et votre propre façon. Deuxièmement, les conseils des médicaments, comme j'ai dit tout à l'heure, à éviter, que ça soit un message privé, parce que vous pouvez tomber sur des gens qui ont juste de la mauvaise foi et qui vont avoir envie de vous poser une question pour dire « Ah, il y a tel docteur qui fait des consultations online et qui donne des médicaments. » Donc, faites attention à ce que vous dites au niveau des messages. Exactement. Pour vous convaincre encore plus qu'on n'est pas obligé de faire des vidéos pour percer au niveau des réseaux sociaux, donc je suis partie chercher le dernier rapport qui a été fait au niveau de HubSpot, qui est le manuel par excellence. Il nous fait la comparaison de 100 millions de posts et il voit qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas au niveau des réseaux sociaux et comment il faut faire et comment il ne faut surtout pas faire. Alors, il nous confirme que pour percer sur Instagram, c'est important de publier des posts et des carousels, et non seulement les réels. On avait l'impression, et on nous disait pendant pas mal de mois cette dernière année, que la seule façon de pouvoir être existant et rester sur Instagram était de faire des reels tout le temps. Ce n'est pas vrai. Et d'ailleurs, on n'est pas obligé de faire un reel si on ne se sent pas prêt à s'enregistrer. Par contre, on peut parfaitement faire un reel, et vous allez le voir, avec juste des photos. Parce qu'on revient au même point faible pour Instagram, mais point fort pour nous. C'est que c'est un robot. Ça veut dire que si moi je fais un reel avec une seule photo ou deux photos et que c'est publié en tant que vidéo, lui, il ne sait pas ce que je suis en train de faire. Pour lui, c'est une vidéo. Vous n'avez pas été obligé de vous filmer. Vous avez posté une seule photo, mais pour Instagram, c'est comptabilisé comme vidéo. Et je vais vous mettre des exemples pour vous montrer comment. Deuxièmement, si vous voulez parler et que vous ne voulez pas vous filmer, prenez un gadget qui va toujours vous représenter, vous allez le poster devant votre caméra et vous allez expliquer. Ça va être le même que vous allez enregistrer tout le temps. Mais une fois que vous allez commencer à le faire, et quand j'ai commencé ça, je recevais souvent une question de la part surtout de mes proches, c'était « Shrab Hamnati ». Parce que quand même, ça demande du temps, il faut réfléchir, il faut... Parfois, tu as l'idée, tu sais comment présenter la capsule, mais je n'ai pas d'accroche. Je ne sais pas comment je vais commencer ma vidéo, comment je vais faire en sorte de convaincre la personne de terminer, parce que 1 minute 30, ça paraît rien du tout, mais parfois 1 minute 30 pour l'enregistrer, tu as besoin d'un quart d'heure, une demi-heure, surtout quand tu le fais pendant que tu travailles. Donc, on me disait, qu'est-ce que tu fais par ça? Et sincèrement, la seule réponse que je donnais, celle que je donne parce que je le pense, c'est me lever le matin et trouver 10, 20 messages, je vous assure que c'est une satisfaction qui n'a pas de prix. Vous pouvez avoir la meilleure des collaborations avec les labos, mais avoir ça, avoir une personne, et je me suis fait arrêter au niveau des cafés à Casa, sachant que je ne suis pas de Casa, des gens qui me disaient, et une fois, une fille, elle m'a dit, tu m'as sauvé la vie. Elle m'a dit, je ne vais pas te dire quelle capsule, mais vraiment, tu m'as sauvé la vie. C'est vrai que moi, je parle de tout au niveau de mes capsules, mais savoir que vraiment on peut rendre service, prenez-le comme conscience professionnelle, prenez-le comme agile, prenez-le comme vous voulez, mais c'est une satisfaction qui n'a vraiment pas de prix. Alors les posts, c'est quoi un post? Un post, c'est tout simplement les photos qu'on voit sur Instagram, où on va écrire une légende, on va écrire quelque chose, et qu'on pourra bien sûr sponsoriser, et on aura soit des likes, soit des commentaires. Alors comment je fais pour faire un post? La première des choses, c'est de choisir une photo qui va être claire, de bonne qualité, et qui va être en rapport avec mon contenu et le message que je veux conseiller ou faire passer. Ou tout simplement, une image qui est inspirante, supposant que je n'ai pas eu le temps de vraiment travailler une présentation, une publication. Je peux choisir une photo où on va voir, par exemple, une personne qui se dépasse. Un truc aussi simple qu'une photo qu'on a sûrement vu tous sur Internet, celle du petit chat qui se voit dans le miroir comme un roi. Mais on peut la mettre et écrire ce qu'on en pense. Un petit truc, dites-vous que vous avez besoin de donner quelque chose de positif chaque jour à quelqu'un. Et c'est un truc très simple, mais qui peut vraiment égayer la journée de quelqu'un et qui va vous donner une satisfaction personnelle par la suite. Alors, le rapport dont je vous ai parlé, qui compare les 100 millions de posts, a conclu finalement que les légendes qu'on écrit sous les posts, ceux qui avaient le plus de retours et qui faisaient augmenter au niveau de la visibilité les profils, c'était ceux qui avaient moins de 20 caractères ou bien ceux qui avaient entre 1000 et 2000. Je m'explique. Quand on parle généralement de 20 caractères, généralement, c'est les posts des stars qui ont déjà 1, 2 millions, 3 millions, 4 millions de personnes et ils mettent une photo et détente, week-end. Et déjà, les personnes vont réagir. Donc forcément, vu que c'est un rapport qui se fait de façon automatisée, ben, il les prend forcément en compte. Par contre, quand on parle entre 1000 et 2000 caractères, ça paraît énorme, mais c'est tout simplement un paragraphe, c'est pas beaucoup.
Donc, écrire une petite réflexion va faire en sorte que votre poste augmente et qu'il puisse être visible au niveau de l'Excel. C'est important de partager sur le poste la story en le cachant, bon, il y a un petit truc, et indiquant le poste. Ça veut dire qu'une fois que je vais poster le poste, je vais cliquer sur partager sur la story. Et petite astuce, c'est le partager et le décaler un peu et poster ce que je vous ai mis ici, new post ou quoi que ce soit. Pourquoi ? Parce que quand je vais donner à la personne le poste déjà fait au niveau de la story, il ne va pas se déranger à rentrer à mon profil chercher. Par contre, quand la story va être cachée, il va être curieux d'entrer voir ce qui se passe. Et par rapport à votre profil, ça va être marqué une vue de plus. Carousel. Alors, ça, c'est tout simplement une succession de plusieurs images, mais qui doivent avoir un contenu cohérent. C'est comme ce qu'on a vu tout à l'heure, seulement que le poste, on a une seule photo. Là, on a plusieurs photos. C'est quoi l'idée ? Parce qu'en fin de compte, ce qu'on cherche pour que notre profil puisse être visible et se maintenir et avoir beaucoup de followers, c'est que telle personne, une fois qu'elle va rentrer visiter mon profil, elle va passer beaucoup plus de temps. Pour passer beaucoup plus de temps, au niveau de la capsule, je vais dire la phrase d'accroche. Au niveau des carousels, je vais mettre une première publication qui va lui donner envie de passer les autres photos et voir ce qu'il y a. Une fois qu'elle va passer, elle est en train d'apprendre quelque chose. Et moi, je suis en train de gagner du temps où la personne est en train de rester sur mon profil. Alors, le contenu doit être éducatif et les slides vont pousser les gens à passer plus de temps sur notre profil. Il faut bien sûr créer une liaison. Je ne peux pas commencer à parler de crème anti-âge et finir en train de parler de spiruline. Il doit y avoir quand même une certaine logique. Deuxièmement, il faut travailler l'image. Pourquoi ? Parce que si je commence à poster des images qui sont floues, qui ne sont pas belles, qui ne sont pas jolies, qui ne sont pas travaillées, la personne va se lasser au bout de deux images, elle sort. La première image, c'est là où il faut jouer. Elle doit être attachante. Elle doit donner envie de regarder qu'est-ce qu'il y a après cette image-là. Et finir par des appels d'action. C'est quoi des appels d'action ? Des appels d'action, c'est alors si tu as aimé, partage, like, tout ce qu'on a l'habitude de voir dans les vidéos. J'avoue que je ne le fais pas, mais que je dois commencer à le faire. Alors, pour les posts, qu'est-ce que je fais ? Et pour les images, et ça va vous servir aussi pour vos photos personnelles, je vous conseille l'application Canva. D'ailleurs, c'est avec Canva que j'ai fait la présentation. Elle est gratuite. Vous n'avez pas besoin de l'application payante. Avec la gratuite, c'est largement suffisant. Vous allez pouvoir avoir des images magnifiques. L'avantage, c'est que par rapport au post, vous avez des images qui sont déjà faites. Donc, vous allez juste changer le thème, vous allez juste changer les phrases. Et ça va vous faire gagner un temps magnifique. Et là, je vous donne un exemple de comment on utilise Canva. Donc, on rentre sur l'application. On va choisir est-ce qu'on veut une story, est-ce qu'on veut une présentation. Là, je vais choisir story. Et je vais écrire en haut le mot, ce que j'ai envie de chercher. Par exemple, là, je pense que j'avais choisi détente. Bon, ça ne se voit pas, mais je pense que j'avais choisi détente ou un truc comme ça. Voilà. Et il va me sortir plein d'images où je vais pouvoir sortir le texte, où je vais avoir des images qui sont animées. Vous avez des milliers d'images, différentes couleurs. Vous allez les choisir, mettre ce que vous voulez et personnaliser votre image. Je vais pouvoir choisir, je pense là j'ai choisi médicaments, voilà exactement, et il va me sortir plein d'images qui ont à voir avec médicaments. Si j'ai envie de publier par exemple un truc sur une revue, un post, un carrousel, tout simplement la fiche d'une vidéo, parce qu'au niveau des capsules, une fois que je vais finir, je vais choisir une page où je vais avoir l'image qui va représenter la vidéo que j'ai enregistrée. Donc là, je vous invite à télécharger l'application et à vous faire plaisir, parce que vraiment, vous allez apprendre tout ça. C'est très, très simple à faire et vous allez avoir du plaisir à le faire. Alors CapCut, c'est avec CapCut qu'on va voir tout à l'heure que j'ai fait la vidéo, que j'ai enregistré la vidéo. Et là, c'est des images. La première image, vous allez voir que je parle de pellicule. Est-ce que vous avez un problème de pellicule ? Par la suite, j'ai fait des images toutes seules et je les ai collées en tant que vidéo. Et en fin de compte, ce ne sont que des images avec lesquelles j'ai utilisé des émoticônes d'Instagram. Et je vais vous montrer comment les faire tout à l'heure. Voilà. Et ça, c'est juste des exemples, des affiches que j'ai fait avec Canva précisément. Alors, une, c'était pour un live que j'avais avec une dermato sur la chute des cheveux androgénétiques. L'autre, c'était pour des interventions radio. Vous pouvez faire de tout.
Ça, c'est un exemple de carrousel. J'ai envie de le faire. Comment je fais? Alors, je commence par une première image que j'ai travaillée sur Canva, où je dis 5 aliments qui t'empêchent de maigrir. Donc, forcément, la personne elle va se dire, je vais regarder. Et là, on commence à passer. Donc, le pain, forcément. Et là, vous pouvez, en bas, mettre votre descriptif. Pourquoi le pain? Pourquoi, même si je prends du pain intégral, ben, quand même, j'ai des hydrates de carbone? Parce qu'il y a des personnes qui ont l'impression que, vu que c'est intégral, je peux prendre tout ce que je veux. Les jus de fruits, il y a encore des personnes qui sont convaincues, qui ne font pas grossir, qu'il n'y a aucun problème. Et du coup, le matin, je prends un jus de fruits pour rester healthy. On explique pourquoi. C'est quelque chose qui a à voir avec nous, avec notre domaine. On n'est pas en train d'entrer dans un domaine qui ne nous correspond pas. On est le plus indiqué pour parler de ça. Pizza, ça paraît plus cohérent, mais c'est un petit peu le double cheeseburger et Coca Zero. Donc non, mais si je ne prends pas ça avec Coca Zero, ça passe. Ben non, ça ne passe pas. Les cornflakes, on a l'impression aussi que c'est light et que ça ne fait pas grossir. C'est bourré d'hydrates de carbone plus autre chose. Et les confitures grand-mère aussi, on a l'impression que vu que c'est fait à la maison, ça ne fait pas grossir, ce n'est pas mauvais pour la santé. Ben non, désolée de vous dire que ce n'est pas bon, il y a trop de sucre. Se faire plaisir de temps en temps, ce n'est pas grave, mais de temps en temps, ce n'est pas 7 fois par semaine. Et bien évidemment, on est obligé de parler de story. Est-ce que c'est clair jusqu'à présent pour tout le monde? Ça va, vous me suivez bien? Super, ça fait plaisir. Alors, les stories, l'avantage, c'est qu'ils nous permettent de faire plusieurs publications par jour. C'est important que vos followers sentent que c'est comme ça. Il n'y a pas quelque chose à expliquer, mais c'est comme ça. Ils ont besoin de savoir un tout petit peu plus de vous. C'est un petit peu un point important pour vous faire confiance. Alors, il faut dire que moi, même si ça fait longtemps que je fais ça, je ne partage jamais ma vie privée. Je suis contre l'idée de partager ma vie privée. Mais je peux partager des choses qui n'ont pas à voir forcément avec ma vie privée, mais avec ma journée à la pharmacie, avec des découvertes que je fais. Ils ont besoin, c'est comme ce que je dis toujours quand on parle sur des groupes de femmes et qu'on a une femme qui te demande un conseil par rapport à tel produit. Celle à qui on fait toujours confiance, c'est celle qui te dit Habiba, même si tu ne la connais pas, et c'est écrit Fatifleur ou la rose du Zahara. Donc, c'est comme ça. Ils ont besoin de cette approche personnelle. Donc, je ne vous dis pas de vous filmer forcément, mais essayez de quand même faire partager votre vie. Ne serait-ce que le fait de travailler, le fait de, voilà, je suis au bureau, voilà la pharmacie, nouveauté à la pharmacie, ce genre de choses qui vont faire voir aux autres que, voilà, que vous avez quand même une vie professionnelle, que vous êtes dans votre pharmacie et que vous partez tous les jours pour être proche de vos clients. Sur les stories, petite astuce aussi très très importante, c'est que vous avez ces émoticônes-là que je vous conseille d'utiliser. Ça, c'est quoi? C'est tout simplement des boîtes à questions où vous allez poser des questions genre est-ce que vous avez un problème de chute de cheveux? Est-ce que vous pensez que le zinc, il est bien ou pas? Est-ce que vous connaissez le zinc histidine? Est-ce que vous avez des problèmes de, je sais pas, de gastralgie? Et là, les gens, ils vont vous répondre. L'avantage qu'il y a, c'est que les gens vont passer du temps, ils vont attendre que la publication des réponses, parce qu'ils vont apprendre aussi de ces réponses-là. Deuxièmement, si vous n'avez pas envie de répondre, vous pouvez tout simplement mettre un sondage en posant une question et en attendant les réponses, vous allez avoir combien de oui, combien de non. Donner plusieurs choix, poser par exemple la question le magnésium, est-ce qu'il va me servir quand j'ai mal à la gorge ou qu'il va me servir quand j'ai une chute de cheveux, et vous laisser répondre. Donc les gens adorent ce genre de choses, ils vont interagir avec votre contenu, ça va les faire passer plus de temps, parce que le but, je dis et je répète, c'est de passer du temps sur votre profil, ça va les pousser à faire ça. Et les points essentiels à avoir en tête avant de se lancer sur les réseaux sociaux, indépendamment du format choisi, c'est-à-dire post, story, carousel ou bien vidéo, c'est la constance qui est essentielle et ça ne sert à rien d'avoir un très bon contenu si la fréquence de publication n'est pas maintenue. Avoir les 3 secondes pour accrocher les personnes et qui restent sur le profil, il faut répondre au message, c'est quelque chose de très important. Moi, au début, d'ailleurs, pour vous donner une idée, en fin juillet, j'étais, je pense, à 12 000. En mi-août, j'étais à 36 000 personnes. Je n'achète pas de followers, je ne fais absolument rien. Pourquoi? Ça m'arrivait de répondre en 30 et 40 messages. Je vous dis de faire la même chose, mais il faut quand même essayer de répondre au maximum de personnes. C'est là où vous allez gagner des personnes fidèles, c'est dans votre profil. Autre chose, une petite astuce, c'est que quand vous allez avoir des commentaires sur vos publications, ne likez pas les commentaires le jour même.
attendez le lendemain. Quand vous allez les liker, et ne likez pas tous les commentaires le jour même. Chaque jour, likez un ou deux commentaires. Pourquoi ? Parce que chaque fois que vous allez liker, Instagram va montrer votre profil. Donc, au lieu de le montrer que pendant deux jours, si vous avez six commentaires, il va le montrer pendant six jours. Donc, attendez 24 heures, parce que pendant 24 heures, il est déjà en train de le montrer. Mais, à partir du lendemain, likez. Le lendemain, répondez à un commentaire. Essayez d'interagir chaque jour à une chose différente. Comme ça, vous allez maintenir votre publication au haut plus de temps. On va parler des hashtags. Qui s'y connaît bien en hashtag ici ? Ouais, je suis personne. Alors, je vous dis qu'il y a... Bon, juste avant de commencer là, j'arrivais pas du tout à comprendre ce que c'était les hashtags et pourquoi il fallait les mettre. Et j'étais dans un groupe sur Facebook où on nous obligeait à mettre les hashtags pour publier. Et je trouvais que ça n'avait aucun sens jusqu'à ce que j'ai compris ce que c'était. Donc, ils sont très, très importants pour augmenter la visibilité. Pourquoi ? Parce que, comme on dit, c'est un robot. Le robot qu'on veut publier, il n'a aucune idée de ce qu'il y a sur l'image ou ce qu'il y a sur la vidéo. Donc, quand vous allez mettre des hashtags et que vous allez mettre anti-âge, n'importe quelle personne qui va rentrer chercher anti-âge, ben, vous êtes là et votre publication, elle est liée à ce hashtag. Donc, on va vous trouver. C'est pour ça que c'est très, très important de les utiliser. Le nombre correct, c'est entre 5 et 12. Parfois, je vois des gens qui mettent 30 et 40 et 50 000. Entre 5 et 12, c'est le nombre correct et idéal au niveau des hashtags. Autre chose très importante, quand vous commencez à faire du copier-coller d'un hashtag, par exemple, vous avez un groupe d'hashtags que vous utilisez, et vous vous dites, bon, plus ou moins, j'écris la même chose, donc pas la peine de l'écrire chaque jour, je vais faire du copier-coller, vous risquez un blocage de la part d'Instagram. Parce qu'ils considèrent que vous êtes un robot, et que tout simplement, c'est un compte qui est robotisé. Donc, ne jamais faire ça, ne serait changé qu'un seul à chaque fois. Ce que je vous conseille de faire, qui est beaucoup plus pratique, prenez soit note au niveau de votre téléphone et vous allez mettre, par exemple, pour anti-âge, je vais utiliser ces hashtags-là. Pour nutrition, je vais utiliser ça. Et vous allez commencer à faire du copier-coller en fonction, mais de votre note et pas de la publication antérieure. Et vous allez changer un seul et le publier pour chaque publication. Comme ça, Instagram va comprendre que vous êtes une personne et que vous avez écrit les hashtags. Mais en copier-coller, il y a un risque d'être bloqué. Deuxièmement, quand vous allez commencer à choisir les hashtags, vous allez avoir des propositions. Et donc, moi, bien sûr, comme n'importe quelle personne, quand j'ai commencé, quand tu vois un hashtag où il y a 1,2 million de personnes, tu te dis, ah non, j'ai envie d'être là. Donc, tu laisses ceux qui ont 50 000, 10 000 et tu choisis ça d'un million parce que c'est logique, on a envie de choisir ça qui a énormément. Ben non, il ne faut jamais faire ça. Tout simplement parce que quand on fait ça, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Les hashtags servent à être dans l'explorer quand quelqu'un va chercher. Quand je vais choisir un hashtag qui a 1,2 million de personnes qui l'ont utilisé, forcément, c'est la vidéo qui va cartonner le plus, qui va percer le plus, qui va être en haut. Donc, quand vous choisissez 1,2 million, vous allez être le 1,2 million. Donc, vous n'allez jamais arriver. Essayez de choisir toujours des hashtags qui sont entre 5 000 à 10 000. Une fois qu'on a 500 000 followers, vous pouvez passer à plus. Mais au début, choisissez des petits groupes. Pourquoi ? Parce que vous avez beaucoup plus de chances d'être visible au niveau de la recherche. Donc ça, c'est une erreur que j'ai faite au début et que par la suite, j'ai compris en prenant... D'ailleurs, un autre petit conseil, j'ai un long trajet entre ma pharmacie et chez moi. Au lieu d'écouter de la musique qui est beaucoup plus sympa, je chante et je dégage et c'est le seul moment où je peux chanter sans déranger personne, ben, ce que je faisais, c'est lancer YouTube pour faire des formations. J'écoutais ça tous les jours. Je n'ai pas vraiment besoin de regarder, mais je retenais les informations. Et c'est ces formations-là que je suis en train, de partager avec vous aujourd'hui. Parce que j'ai dû entendre des heures et des heures et des heures. Et le plus important, c'est ce que j'ai résumé aujourd'hui pour vous dire. Donc, essayez de faire ça, ça va vous aider. Et ça va vous faire voir Instagram, d'une part, beaucoup plus facilement et d'une façon très logique. Parce que finalement, c'est très, très logique, il faut juste le comprendre. Alors, une petite astuce, c'est que quand vous allez en train d'écrire la légende et que vous voulez choisir, par exemple, de mettre les hashtags, en fait, tout simplement, le clavier ne vous laisse pas passer. Personnellement, je n'aime pas mélanger les hashtags avec la légende ou bien la publication que j'ai, tout ce que j'ai écrit. Donc, on ne vous laisse pas parce que normalement, bah, vous allez écrire et vous allez commencer à écrire les hashtags. Mais il y a une astuce. Si vous changez le clavier à numéro, comme si vous alliez écrire un numéro, il y a la touche retour qui s'affiche. Si vous cliquez sur retour, vous pouvez passer à la ligne et écrire vos hashtags indépendamment. Et là, avant de passer à la suivante, j'ai envie de vous poser une question en expliquant ça. Vous feriez comment pour choisir vos hashtags, sachant que c'est ce qui va dire à Instagram
De quoi s'agit votre publication? On fait comment pour choisir les bons? Parce que là, on sait qu'on doit les utiliser, on sait qu'ils sont importants, mais on stagne souvent parce que, d'accord, je sais que je dois le mettre, je sais que ça doit parler de ma publication, mais je choisis comment ça? Je vais vous donner une phrase qui va vous résumer, et c'est ce que vous allez faire, parce que c'est ce que je fais, c'est ce qui m'a aidé, c'est ce qui m'aide actuellement à choisir mes hashtags correctement. Imaginez que vous devez décrire votre publication à un aveugle. C'est tout simplement ça. Instagram ne voit pas votre publication. Il n'a que ce que vous allez écrire en hashtag. Donc si je suis en train de parler de maigrir, je vais parler diététique, je vais parler maigrir, je vais mettre hashtag régime, je vais mettre hashtag conseil officinal, hashtag pharmacien, hashtag légumes, healthy, des choses qui ont à voir. Si je vais parler crème anti-âge, hashtag dermocosmétique, hashtag conseil beauté, imaginez que vous êtes en train de décrire ça à quelqu'un qui est incapable de le voir. Donnez le maximum de détails personnalisés à votre publication. C'est une astuce qui marche parce que c'est celle que je fais moi à chaque fois que je dois et je la fais à ce jour-là. Ça m'aide énormément parce que je me dis, si la personne ne voit rien, c'est quoi le maximum que je peux lui dire pour qu'il puisse imaginer le mieux possible ma publication? Faites-le et vous allez voir que ça va changer votre façon de trouver facilement les hashtags. Ce qu'il ne faut jamais faire encore, alors, il ne faut jamais acheter les followers. Tout simplement parce que déjà, indépendamment d'Instagram, c'est simple de savoir les personnes qui achètent. Tu rentres et tu as des personnes de Bangladesh, de Saoudia, qui n'ont rien à voir. Deuxièmement, une fois que Instagram, pour X ou Y, va faire le ménage, elle va se rendre compte bloqué. Il faut savoir que même si votre compte il est bloqué et que par la suite, il est débloqué, je vous conseille de créer un autre compte. Il ne va jamais percer. Il sera toujours dans la liste noire. Donc ne faites pas les choses qu'il ne faut jamais faire. Deuxième des choses, n'ajoutez pas de profil pour qu'ils sachent que vous êtes là et par la suite, les effacer. Vous allez être puni pour ça. Ne jamais publier juste pour publier. Je n'ai rien en tête, mais comme je publie chaque jeudi, il faut absolument que je le fasse. Je préfère ne rien publier à diminuer la qualité de mes publications. Parce que c'est un très très mauvais retour. Vous risquez de perdre des followers qui ne vont pas revenir à votre profil. Et la deuxième des choses, et ça c'est une erreur que plusieurs personnes font et c'est simple de la faire, c'est que parfois on poste, on publie et on se rend compte d'une faute d'orthographe. Et donc on se dit c'est pas grave, de toute façon j'ai la touche modifiée, je rentre, je modifie la publication et je sors. Il ne faut jamais faire ça. Ouais, et je vous explique pourquoi. En fait, quand vous lancez la publication a une demi-heure pour être vue par vos followers. Elle est présentée, ils vont la trouver dans leur fil d'actualité. Et par la suite, si Instagram voit que les gens sont intéressés, il va la proposer à d'autres. Si vous arrêtez la publication et vous faites modifier, vous allez modifier la publication, vous allez changer cette lettre qui est mal, mais votre publication est stagnée. Instagram la bloque, il ne la montre plus aux gens non-followers. Non, pour lui, il se dit, non, au contraire. C'est-à-dire, tu l'as touché, il ne va plus la propulser, il ne va plus la montrer aux gens qui ne vous connaissent pas. Et ce qui vous intéresse, c'est bien sûr de garder les vôtres, mais c'est aussi que les autres vous découvrent. Donc, il ne va pas montrer aux personnes qui ne vous connaissent pas. Donc, on a deux options. Soit on l'efface carrément, on attend une petite demi-heure et on relance la publication comme si elle était une nouvelle, soit on garde la faute d'orthographe. Parce que parfois, on sait que, bon, ça arrive. Donc, mais automatiquement, moi, je le faisais et je ne comprenais pas parce qu'après, j'allais voir les statistiques et je me disais, mais pourquoi? C'est un sujet qui est intéressant. Et le problème, c'est qu'au bout de 5-10 minutes, j'avais vu la faute d'orthographe, je l'avais changée. Ça bloque. Je suis rentrée chercher. C'est précisément, ça fait partie des heures que j'ai passées à écouter des experts. Et c'est pour ça que je vous donne le résumé des heures et des heures de travail. C'est pour ça que je dis, j'ai eu des choses qui ne m'en servaient à rien du tout, mais tout ce qui m'a servi, ben, vous l'avez aujourd'hui ici. Ben, avec plaisir. Alors, on va réaliser brièvement deux vidéos juste pour vous donner une idée de ce qu'on peut faire très facilement, que ce soit au niveau des vidéos Instagram ou que ce soit au niveau de CapCut, qui est l'application que j'utilise et qui est gratuite. En fait, je vous ai choisi que des applications qui sont gratuites parce qu'on n'est pas des pros des médias, donc il n'y a pas de raison pour acheter des applications en ayant tellement d'applications qui sont gratuites et qui servent parfaitement. Les étapes à suivre. Donc, on va aller mollo. La première des choses, on enregistre une vidéo avec notre téléphone. Si vous n'avez pas de trépied, astuce très simple qui m'a servi toutes les fois où j'ai oublié mon trépied à la maison,
Vous prenez le mug ديال café et vous mettez le téléphone. كيبقى واقف عندك شافير. Il n'y a aucun problème. Il tient très bien. Le mug ديال لي بليت ديال الكافي كيدخل فيه التليفون وكيبقى واقف. Vous pouvez vous enregistrer. Et soit qu'il soit vite. Exactement, oui, merci. Pas de café à l'intérieur. Alors, un truc très important, il faut organiser ses idées à l'avance. Quand je dis organiser, si vous avez un client qui vient à la pharmacie, vous n'allez pas prendre la feuille et parler avec lui. Vous allez donner le conseil de façon spontanée. Ça doit être la même chose. Les personnes qui mettent un papier derrière et qui commencent à lire en regardant le papier, ça se voit. Ça se voit au niveau de la voix, ça se voit que ce n'est pas spontané. Ça se voit au niveau des yeux, parce que les yeux sont décalés entre la caméra et la feuille. Donc, évitez au maximum de le faire. La deuxième des choses, c'est qu'on va partir sur Instagram. Tout ça, c'est de la théorie et je vais vous montrer comment on le fait en pratique. On va sélectionner l'application, l'option Reel et on va télécharger notre vidéo. On va l'enregistrer et par la suite, on va s'éclater en mettant tout ce qu'on veut comme émoticon, comme mouvement, comme petit émoji sympa. Et on va le voir au niveau de la prochaine vidéo. Donc, on a l'enregistrement vidéo, l'ajout des photos au sticker. Alors, l'ajout des photos, on le fait comment ? Vous allez le voir tout de suite. Mais quand vous allez choisir un sujet à traiter, à l'avance, choisissez les photos qui ont à voir avec votre sujet. Il faut savoir que les personnes sont très visuelles et ils captent beaucoup plus les images que les paroles. Donc, quand vous allez partager au niveau de la vidéo une photo, ils vont retenir beaucoup mieux le message. Et par la suite, on n'a qu'à enregistrer et publier notre vidéo. Et maintenant, avec le nouveau créateur d'Instagram, on peut même planifier si on a envie de la publier dans une semaine, dans 15 jours, dans 2 jours, à quelle heure et tout. Alors, exemple pratique. Je rentre. J'ai déjà mon vidéo qui est enregistrée. Je vais choisir suivant parce que je l'ai déjà téléchargé. Et là, vu que je parle de magnésium, que je vais parler, la première des choses très importantes, pardon, c'est de mettre le nom parce que la personne est en train de voir la vidéo, elle doit savoir est-ce que vous avez un diplôme, est-ce que vous n'avez pas de diplôme, vous êtes qui. Donc la première des choses, là, je choisis nom et prénom docteur et je change la police pour qu'elle soit plus visible parce qu'elle va dire un hapta à la barra. Et là, je commence à choisir des choses qui ont à voir avec ce que je suis en train de dire. D'ailleurs, après, vous allez écouter le tout, la vidéo à la fin. Là où je montre, c'est là où je peux accéder à mes photos. Je rentre et je choisis des photos que j'ai déjà enregistrées à l'avance. Bien sûr, j'évite toujours d'avoir que ça soit une image ou une photo au niveau du visage. Pas très sympa le geste. Alors, vous allez écouter votre propre vidéo 20 000 fois parce qu'à chaque fois que vous allez ajouter l'image, parce qu'en bas, quand vous allez voir, je suis en train de choisir à quel moment l'image va commencer, à quel moment elle va arrêter. Parce que moi, j'ai envie que quand je parle de crampes, que ça apparaisse, mais quand je commence à parler d'autre chose, ça doit disparaître. Donc, je choisis à quel moment de ma phrase je veux qu'elle commence, à quel moment je veux qu'elle s'arrête. Là, je rentre parce que je parle précisément des yeux. Donc, je vais choisir aussi en bas. Vous allez avoir la flèche qui va apparaître. Voilà. Là, je suis en train de choisir qu'une fois que les crampes vont partir, les yeux vont apparaître. Là, ce que je vais choisir, c'est tout simplement, vu que je vais parler de stress, je vais choisir une image de stress. Donc là, quand vous voyez que je suis en train de bouger, c'est tout simplement que je suis en train de passer le curseur pour montrer quand est-ce que ça va commencer l'image, quand est-ce qu'elle va s'arrêter. Là, on va voir, une fois qu'on va faire les modifications au Camlin, on va partir pour enregistrer la publication et pour pouvoir la lancer sur Instagram. Ici, je parle comme quoi le magnésium interagit sur 300 enzymes, réaction enzymatique. Donc, je choisis 300, je la mets en rouge parce que c'est important et je la place aussi du côté. Alors, quand vous venez de voir, il y a des traits qui sortent. Ça, c'est pour vous aider à placer les images sans sortir de la bordure pour que ça soit visiblement joli. Je fais la même chose, je choisis le 300. Quand est-ce qu'il commence, quand est-ce qu'il s'arrête.
Et là, je vais enregistrer la vidéo pour la garder et pouvoir la publier. Alors, je vais passer ça. Voilà. Donc là, je pars, je choisis. Alors, le curseur que vous êtes en train de voir en bas, c'est ce qui vous donne la possibilité de choisir dans quelle image vous voulez arrêter et la voir comme image qui va s'afficher au niveau du feed Instagram. Alors, ça, c'est le résultat final. S'il vous plaît, le son. Ah, je sais, je vais la refaire. Juste les choses qui vous ont fait maintenant. Deux heures, vous les avez soumis les dernièrement. Première chose, Diba. Les gens qui ont Diba, ils ont un peu de temps à faire une dérage. C'est pas parce qu'ils ont 6 ans, ils ont un peu de temps à faire une dérage. Deuxième chose, il y a une dérage. Et ce qui vous a fait une dérage, c'est que vous avez dit que vous avez un dérage. Donc, ces deux choses, ils ont un peu de temps à faire une dérage. Et ils ont un peu de temps à l'humanisme. L'humanisme est un واحد لاكسيون مهمه في اكثر من 300 اكسيون انزيماتيك اللي كيوقعوا في الجسم ديالنا ولهذا اون سوبليمونطاسيون دو مانيزيوم مهمه بزاف سورتو الناس اللي كيكون عندهم هاد الاعراض بحال لي بالبيتاسيون بزاف ديما كتجيهم في الليل ولا كتجيهم في البحر اولا باغ اكزومبل ما تكون كتقيد شي صباط وكيتعاود لك رجلك ثاني حاجه بالنسبه لي عينو كترف هذيك سي تو سامبلومون واحد الحاجه اللي عندها علاقه افيك لو مانيزيوم اوسي ولهذا جو كونساي اون بون سوبليمونطاسيون اون مانيزيوم اي دوتيليزي دي برودوي دو كاليتي دونك كنصحكم واحد الغلط اللي كتعملوا شحال منكم هي انك تعملي اون بيور دو مانيزيوم ديال 10 ايام كنجو كتقول ما عملي والو بوغ افوار ان بون ريزولتا كيخص مينيموم 2 mois. Donc ça, c'est un exemple de vidéo simple d'une minute trente où je donne pas mal d'informations et où j'ai mis des images qui ont à voir avec ce que je suis en train de dire. Ça, c'est des filtres que je vous ai choisis d'Instagram qui vont vous permettre, et vous allez voir la démonstration juste après, de vous filmer avec soit une photo derrière vous en arrière-plan, soit une vidéo explicative. Donc vous n'avez pas besoin d'une grande technologie ni de quelqu'un qui s'y connaît énormément, tout simplement d'un simple filtre qui est gratuit et qui est disponible sur Instagram. Et c'est ça le résultat. Alors là, j'étais en train d'expliquer sur l'oméprazole. Donc vous avez l'image qui explique tout et je suis assise dans mon bureau. Le deuxième filtre, c'est celui-là qui va nous permettre d'avoir comme un écran juste à côté pendant qu'on explique. Et aussi, on a ça comme résultat. Donc, je suis en train d'expliquer tout ce qui est le problème du pain, les gens qui le coupent pour manger un bout et les risques qu'il y a. Et je suis assise dans mon bureau également et j'ai un écran juste à côté qui est fictif et qui est Instagram qui me l'offre gratuitement. Finalement, on va voir CapCut. CapCut, c'est une application qui est très très bien, qui est très complète. Mais que je ne pourrai pas, bien sûr, vous expliquer en 5-10 minutes. J'ai essayé de vous donner juste un avant-goût. On essaiera de la traiter par la suite. L'avantage, c'est qu'elle va vous permettre de faire des vidéos extrêmement élaborées. Elle va vous permettre de faire des vidéos qu'avec des images, sans besoin de vous afficher. Et un autre truc très, très important, elle vous permet d'avoir des sous-titres. Pas en arabe, malheureusement, mais en français. Et ça, c'est un exemple de ce que je peux faire avec CapCut. Alors, je choisis une première photo qui est en blanc et noir, par exemple, où je vais parler d'un visage, d'une peau qui est terne. Je vais ajouter une autre photo où on va voir une différence d'éclat, par exemple. Et là, je vais travailler l'introduction de ma photo, comment je veux que la vidéo commence, parce que ça va être publié en tant que vidéo. Donc, l'entrée de la vidéo, je vais choisir... Il y a plusieurs options. Alors, je vous assure qu'il y a un an, j'étais incapable de faire ça. Et si j'ai pu le faire toute seule, il n'y a aucune raison pour que quelqu'un d'autre ne puisse pas le faire, et moi, encore des docteurs en pharmacie. Donc, tout le monde peut le faire. J'ai appris toute seule. Et là, vous allez voir le résultat de ça. Vous pouvez déjà commencer avec ça, parce que là, ce ne sont que des images. Et le résultat, il est vraiment à voir. Il est sympa. Vous allez avoir une photo. Je pense que ça va s'afficher maintenant, le résultat final. Voilà, je choisis en bas, donc j'ai plusieurs choses. Est-ce que je veux que la photo soit divisée en deux? Est-ce que je veux qu'elle soit en particules? Moi, j'ai choisi en particules, et il va me donner l'effet final. Voilà.
Alors, revenons à ce qu'on fait en officine de pharmacie. Je pense qu'on sait tous qu'on est, on est médecin, on est psychologue, on est biologiste. Bureau de change, on est sexologue, on est infirmier parce que t'jrah. Alors, en étant le métier de pharmacien, je pense que c'est le métier de pharmacien. C'est un des métiers les plus complets qu'il y a parce qu'on fait de tout. Alors pourquoi pas devenir créateur de contenu ? Comparé avec tout ce qu'on fait, ce n'est absolument rien du tout. On fait tellement de choses beaucoup plus compliquées, avec beaucoup plus de responsabilités. Et là, on a la possibilité de faire quelque chose qui va nous faire plaisir, qui va vraiment rendre service, qui va changer le nom et le concept du pharmacien. Et je pense que c'est important d'apprendre tous les jours. Et la création de contenu, moi personnellement, ça m'a appris énormément de choses. Il y avait des montages que je voyais, je me disais, wow, je ne vais jamais pouvoir faire ça, oui, non, ça c'est trop poussé. Je suis étonnée des choses que j'apprends parfois même inconsciemment. J'apprends à aller chercher dans des applications. Vraiment, je vous invite à l'essayer. Vous allez voir que finalement, le pharmacien, je pense réellement que c'est le métier où la personne elle est capable d'absolument tout faire. Je vous laisse quelques-unes de mes expériences au niveau des réseaux. Donc, des vidéos que j'ai faites sur... une des vidéos, celle de 760 400 vues, c'était sur les différents types de magnésium. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui pensent qu'il y a un seul magnésium, tant qu'il y a 300 mg, c'est bon. Il y a d'autres qui ont fait pratiquement 500 000, 500 000, 9 000. Sur la coupe menstruelle, c'était une vidéo qui avait... j'avais fait la première sur la coupe menstruelle qui a fait 364 698. Elle a été partagée 9727 fois. Et juste après, j'ai dû faire une autre en expliquant l'anatomie de la femme parce que je me suis rendu compte que la plupart des personnes n'avaient aucune idée. Pire que ça, la plupart des femmes ne savaient pas du tout comment était leur anatomie. Et j'avais fait une vidéo juste après en expliquant l'anatomie de la femme parce qu'elles ne savaient pas où est-ce qu'on mettait la coupe menstruelle. Qu'est-ce que c'était ? Est-ce que par la suite, je pouvais entrer aux toilettes ? Pour eux, il n'y avait pas d'urètre. Donc, c'est des sujets, parfois, où on choisit un thème, et c'est ce thème-là qui nous donne le matériel de quoi faire d'autres... Et celle-là, c'est sur les problèmes gastriques, sur les spasmes, qui avait fait 1,6 million de vues. Ça, c'est tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous remercie énormément.